What's up, guys? On est back à matin. J'ai même mis mon Bieber jacket. Je suis all natural pour une vidéo un petit peu spéciale. Je fais juste ça. C'est dans cette vidéo un peu spéciale. On aime ça, hein? Des choses spéciales comme moi. Avec les yeux pochés parce que Dieu sait que je suis pas habituée de me lever à cette heure-là. Genre 9h. Parce que v'là une couple de jours, j'ai comme pogné une bulle. J'étais comme tannée de ma face. Il me semble que j'ai fait le tour de ma face. Genre, je suis tannée de la voir. J'avais juste le goût de changement, d'un vent de changement, de me voir, mais une version genre 2.0 de moi. Fait que là, j'ai pris rendez-vous à toutes mes places bref, toutes dans la même journée. Puis on va aller changer ça, toi, cette face-là. Mais pas juste la face, là. Le linge, les cheveux, tout le kit, on fait la totale, the real deal. Puis je me suis dit, ben, je vais documenter ça pour votre plaisir et votre divertissement. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. On s'en va changer ma face. On te start ça au Beauty and the Beast pour la portion esthétique de la journée. Première étape, on va faire le Slim Wave. Donc aujourd'hui, Rosalie, elle va venir essayer la technologie Slim Wave. C'est une stimulation incontrôlée du muscle. Il y a trois façons de travailler vraiment pour aller tonifier, raffermir ou aller chercher une définition musculaire. On va mettre une petite couche de gel, que c'est du gel de conduction. Donc c'est vraiment juste pour réussir à faire passer le courant électrique sans que ça l'abîme la peau et que ça pince. Donc attention, ça va partir. Aïe! La contraction qu'elle fait là, ici, c'est pas elle qui la commande, c'est vraiment la machine. Donc, tu te laisses vraiment molle, tu relaxes. C'est vraiment fou. C'est comme si je forçais sans forcer. C'est exactement. Pour vraiment aller chercher le plus de chaleur possible. De la belle patate au four. En gros, ça fait travailler mes muscles sans que je bouge. Puis j'ai chaud. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Ouh! Oh mon dieu, je prends juste le petit courant d'air. Ah! Oh my god, je renais. Après ça, on va se faire une petite séance de bronzage, histoire de se mettre un petit tan. Fait que là, mes chums au Beauty and the Beast, ils m'ont gréé d'une petite fiole que je vais venir mélanger avec ma crème protectrice qui a aussi, je pense, des agents teintants dedans pour avoir le plus beau bronzage humainement possible en une séance. Parce que Dieu sait que j'ai l'air d'un cadavre. Next up, on va faire un blanchiment des dents. Je suis un petit peu stressée, j'ai jamais fait ça. Puis j'ai des dents vraiment sensibles. La première étape, ça va être de prendre de la petite lingette qu'on va installer sur notre doigt. On va aller nettoyer les dents, enlever les résidus. Ok. C'est chic. La deuxième étape, c'est un petit gel pour protéger les gencives du blanchiment. C'est de l'effet un petit peu fort du blanchiment. On va mettre les lunettes pour protéger les yeux. Donc, on prend le petit mouthpiece, on met le gel, on le met dans la bouche. Donc, là, il est en place. Mm-hmm. Il est correct, c'est confortable. Mm-hmm. Ouais, c'est les lèvres aussi. Et on part le blanchiment pour 20 minutes. J'ai été vraiment cute dans cette vidéo-là. C'est le fun, la bave, la sueur, hein? On est à la boutique La Petite Garçonne à Montréal. C'est sur la rue Saint-Laurent. C'est vraiment une de mes boutiques favorites. Il y a un concept de feu. C'est une division de 1861. C'est une autre boutique qui est juste à côté. Fait que c'est comme trois boutiques sœurs, une à côté de l'autre. On est ici pour me trouver un outfit pour ma transformation. Les rayures, c'est supposé allonger la figure. J'ai-tu l'air de Lisanne Nadeau? La couleur de ce morceau. Ça fait un peu, je sais pas.
Oh my god, je capote, il y avait tellement de beaux morceaux. Je sais pas lequel que je veux prendre. Mais vous, dans les commentaires, dites-moi c'était lequel votre morceau préféré. Genre de, je sais pas combien j'en ai essayé. Moi, c'était le numéro 1, moi, c'était le numéro 4, moi, c'était le numéro 7. Mais moi, je pense que ça va être le One Piece Rouge. Ok, oui, ok, ça va être le One Piece Rouge, ça va être le One Piece Rouge. Une chance que j'avais de l'aide parce qu'on s'entend que le style c'est pas comme mon talent numéro 1, mais je pense qu'on a trouvé un outfit vraiment de fucking feu. Puis là, on s'en va take care du plus important, mes cheveux puis ma tronche. Let's go! On est arrivé chez Mac Offers, ma chum Rox, qui travaille aussi avec Amélie. C'est une styliste privée, donc c'est chez eux, mais elle prend des nouveaux clients. Donc si jamais vous voulez, je vais mettre toutes ces informations dans la barre d'infos. C'est la meilleure, genre la meilleure. Ça là, elle va transformer ça en d'autres choses complètement. Ça va être comme le jour et la nuit. Redécolorer tes longueurs, je vais garder quelques mèches de ta couleur naturelle. On va garder ton fond comme ça. Moi, je te nuance un petit peu pour enlever les reflets roux. Puis on va y aller, on va essayer d'aller le plus pâle possible. Là. Peut-être un blond blanc, cendré. C'est sûr que tes petits points qui sont abîmés un peu de baisse, ça serait découpé. Ouais, découper un petit peu la pointe. Mais tu peux les garder longs sans avoir à couper tes cheveux. Fait que moi, j'aimerais ça pas les couper en longueur. D'accord. Si tu me dis que c'est absolument nécessaire, je pourrais t'en couper dans ce coup. Fait qu'on est prêts? Oui! Donne-moi une note, s'il te plaît. Ah! Rap, donne une vraie note. Ah, it's happening! C'est beau. Ça reste un papier. Oh mon dieu, j'ai plus de cheveux. Ça, c'est de l'humour de coiffeurs, ça. Ça, c'est ça. J'hésite un peu. Moi, je pensais y faire le guitare. Pearl Pistachio, comme j'ai dit. Genre 09 et 09P. Du blabla de coiffeurs. Personne ne comprend. Dans le fond, le secret, là, il est ici, dans cette petite bouteille. Des fossiles, des brillants. Tiens, oui! J'ai hâte. Let's do this. Tu vas finir ton verre de vin, hein? Ah, finis-le. OK! J'aurais dû me bleacher le pinch pour l'occasion. Mais non. Non? Le pinch? Je suis sûre que je suis en train de scraper mon blanchiment de dents avec mon vin rouge. Ah, oh, c'est sûr! Est-ce que vous avez vu comment ses dents sont blanches? Rap sourire à la caméra. Non, non. Il y a des façons très à l'aise. Et voilà! If my tails are just like your girl, before you know it, shame and leave ya. No trace, no note, you'll never see ya.
pretty. Ben oui, hein? Ben, c'est quasiment inexistant. Mais 100%, si vous voulez comparer à la mienne. C'est le temps de l'amitié à moi, puis Raph est basé sur les compliments. Juste qui en fera le plus. I'm just here to tell my story. Pas mal swell, vous pouvez même liker la vidéo, hein? Ça aussi, ça serait pas mal swell. Puis, je voulais juste prendre le temps de vous dire que oui, des fois, on se regarde dans le miroir, on a le goût de changer de face de temps en temps, mais ce qui reste le plus important, c'est vraiment ce qui se trouve à l'intérieur. Passez plus de temps à aimer les autres, à être gentil l'un envers l'autre. Passez beaucoup plus de temps à penser à ce qui se trouve inside, then out. Même si des fois, ça fait crissement du bien. Mais sur ça, je vais appeler mes chums. Venez vous ça. Ok, tout ensemble, on va dire peace out, my peeps, ok? Peace out, my peeps.